Ciao, ciao les petits loups, bienvenue, welcome avec TaskKiller85, j'espère que tout le monde va bien encore une fois aujourd'hui. Et ouais, comme vous le voyez, aujourd'hui il y a un petit peu de modification, j'ai pas tout à fait terminé. J'en avais marre de voir ces vieilles étagères noires en plastique. Donc voilà, j'ai mis des nouvelles étagères d'atelier. J'en ai commandé 3, j'en ai reçu que 2, donc normalement après on aura un ensemble bien complet. Et j'espère que le fond vous plaira. Après si ça vous plaît pas, ben on mettra un fond vert. Comme ça je mettrai derrière des palmiers, des cocotiers. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira cette petite modification. Donc après je referai un petit peu de rangement bien sûr pour essayer d'harmoniser tout ça. Aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous parler du concours permanent, puisque vous savez que le dernier a été remporté, on a eu un gagnant, ce cher Ali. Donc on va parler du concours permanent. Cette vidéo est également un concours. Je vais vous parler aujourd'hui comme promis de produits bêta FPV, de produits pas cher, de produits premier prix qui permettent de se lancer sans investir énormément. Et pendant que j'y suis, bah, je vais vous faire gagner un petit pack. Donc je vais vous détailler tout ça. On va commencer par le concours permanent. Donc vous savez que la dernière fois j'avais mis en jeu le petit casque Apollo Q10. Donc aujourd'hui je vais rajouter dans le concours permanent le petit MJX Oho V6 que j'ai même pas eu le temps de montrer. Voilà, c'était pour les beaux jours. Les beaux jours sont passés, j'ai pas eu le temps de le faire. Donc bah écoutez, je ne ferai pas la review sur ce petit engin, mais je vais vous l'offrir tout simplement dans le concours permanent. Il y a déjà des vidéos sur YouTube, donc on va pas perdre de temps, je vais vous l'offrir. Donc, pensez-y, concours permanent, je vous remets la petite vidéo. Au début de la vidéo, j'explique ce qu'est le concours permanent, pour ceux qui ne savent pas. Aujourd'hui, on va parler de deux produits bêta FPV entrée de gamme, voilà. On va parler du masque, le petit masque VR02, ainsi que... Alors là, faites attention à ma boîte, parce qu'elle a pris l'humidité. Heureusement, la radiocommande n'a rien, mais la boîte, elle est bien pérave. La petite Light Radio 2 SE. Vous saviez qu'il y avait déjà la Light Radio 2 de chez Beta FPV. Là, on va parler de la SE qui a des petits avantages et des évolutions plutôt sympas. Pour que ce pack soit complet, ce pack que je vais vous offrir, donc vous allez gagner le masque FPV, vous allez gagner la radio Beta FPV, mais je vais également vous offrir ce petit engin. C'est le petit Goulercé T36S. On avait déjà vu un T36 de chez Goulercé avec une petite radio commande, tout ça, ça volait en stabilisé. C'était bien pour débuter, il n'y avait même pas de caméra à la base. Mais celui-ci, oui. Alors celui-ci, il se connecte via CleanFlight, mais rassurez-vous, j'ai fait la connexion avec la radio. Il est bindé, il est prêt à voler, et d'ailleurs on va le voir ensemble. Donc je ne ferai pas cette review puisque maintenant il est très difficile à trouver celui-ci. Je vais vous expliquer comment il fonctionne vite fait. Vous aurez avec bien sûr tout ce qu'il faut, une batterie, le petit branchement USB pour recharger la batterie, c'est une 3,7V 250mAh, et vous aurez également des petites hélices, les petits élastiques, du 3M double face ici, et la petite clé pour extraire les hélices et les notices bien sûr. Hop, vous aurez donc ce petit engin pour pouvoir vous servir de votre nouvelle radiocommande et de votre nouveau masque Beta FPV bien sûr. Hop, je rajouterai également ces petits stickers Beta FPV et le petit porte-key pour finir ce petit lot. Voilà ce que vous allez pouvoir gagner aujourd'hui. Ça fait plaisir, non? Donc on va commencer par la petite Light Radio SE. Qu'est-ce qui va changer par rapport à la Light Radio normale, la Light Radio 2 de base? Les gimbals, l'ergonomie, la forme, etc. Rien n'a changé. La Light Radio 2 devait absolument se connecter à Compagnon pour pouvoir régler les gimbals, etc., calibrer les gimbals, alors que là, non, il n'y aura pas besoin. La première, en fait, était en open source TX, alors que celle-ci, non. La deuxième grosse différence, c'est la batterie. Avant, dans la petite Light Radio 2, on avait une batterie ici, 2S 350mAh, qui nous faisait à peu près 3 heures d'autonomie. Ici, on a une batterie intégrée 3,7V 1000mAh intégré à la radiocommande qui va nous faire une autonomie d'environ 8 heures, donc c'est quand même beaucoup mieux. On a une prise USB-C sur le dessous avec une prise audio ici, mais surtout la prise USB-C qui va servir à recharger la batterie interne bien sûr, mais qui va servir aussi à pouvoir se brancher directement sur un simulateur. Et là j'ai testé, ça fonctionne parfaitement bien, j'ai essayé avec Velocidrone. Vous mettez en route la radiocommande, vous branchez votre câble USB dans l'ordi, elle est reconnue automatiquement et vous allez sur Velocidrone, vous faites vos calibrations,
questions de base qu'ils vous demandent sur le simulateur, et ça fonctionne parfaitement bien. L'autre différence sur cette radio, c'est qu'avant on était en 80 milliwatts, maintenant on va être en 100 milliwatts au niveau de la puissance d'émission, donc on va gagner un petit peu en portée bien sûr, même si on n'aura pas la portée d'une radio avec une grande antenne, bien évidemment. Mais on aura quand même une bonne petite portée, j'ai envie de dire, en terrain libre, on va pouvoir faire 200 mètres, 300 mètres, je pense, sans aucun problème. Après, dans une maison, on l'a testé dans la dernière vidéo qu'on a faite avec Yacine, et j'ai pu faire le tour, en pilotant d'ici, faire le tour de ma maison, aller me balader un petit peu. Donc, on a fait plus de 50 mètres à l'extérieur de la maison, en pilotant de l'intérieur. Ça veut dire qu'on a quand même une réception correcte. L'autre nouveauté, c'est qu'on va avoir les protocoles. Avant, on avait FRSKY FCC D16, on avait FRSKY LBT D16, FRSKY D8 et Baiyang. Maintenant, en plus de ces protocoles-là, on va avoir Futaba et SFHSS, deux protocoles supplémentaires pour pouvoir se binder. Et à chaque fois, on reconnaît sur quel protocole on est parce qu'on va avoir des clignotements différents sur le bouton quand on va la mettre en route. Et donc je vous ai dit, l'autre amélioration, c'est qu'on va pouvoir calibrer les gimbals directement, ce qui fait que moi, j'ai, quand je l'ai bindé justement au dernier petit drone qu'on a testé ensemble dans la dernière vidéo, en allant sur Betaflight, j'avais mes joysticks qui étaient bien centrés, il n'y avait pas de souci, j'avais même pas un de décalage. Sinon vous savez que vous pouvez ajouter du dead band entre 1 et 3 si jamais vous avez un petit décalage, mais ça ne bouge pas en tout cas, et moi j'avais pas de décalage, j'étais à 1500 directement. Si vous avez un décalage, ben refaites une calibration. Voilà, je vais vous montrer comment on calibre les gimbals. Donc pour la mise en route de la radio, on va avoir des indications en LED. Alors ici je suis en D8, donc le D8 ça va flasher 3 fois. Alors ça flash une fois en D16, en FCC D16, ça flash deux fois en LBT D16, trois fois donc en FRSKY D8, et quatre fois si on est en Futaba ou SFHSS. Donc là je mets en route, je maintiens, 2, 3, 3 clignotements rouges et un clignotement bleu. Là elle sonne, et là elle se met en bleu fixe, ça veut dire qu'elle est en route tout simplement. Donc là je suis en 3. Donc FRSKY D8, tout simplement. Si je veux changer le protocole, il va me falloir un petit outil. Voilà, un petit outil. Et derrière, on a un bouton Bind et un bouton Setup. Le bouton Bind va servir soit à binder, soit justement à changer le protocole. Si vous voulez binder en FRSKY D8, là nous sommes en FRSKY D8, on va simplement cliquer une fois sur le Bind, tac, et ça se met à clignoter en rouge en attendant de trouver votre drone, votre récepteur qui est en mode bind également. Donc là il ne trouve pas, il revient à la fonction normale. Si je veux passer en par exemple FRSKY FCC D16 qui est le premier, il faut que ça clignote qu'une fois. Donc dans ces cas-là, j'éteins la radio commande. C'est le même principe que pour l'ancienne radio. J'appuie sur le bind, tac, je maintiens et là j'allume. Tac, là ça a clignoté 4 fois, je relâche, je remaintiens le bind, j'allume, hop, et là ça a clignoté une fois. Donc maintenant si j'éteins et que je rallume, je vais être en clignotement une fois, voilà, j'attends que ça s'allume, un seul clignotement rouge, et la radio s'allume, donc maintenant un seul clignotement, je suis en FRSKY FCC D16. Je vais remettre en D8, puisque moi je l'ai bindé en D8, je remaintiens, 1, 2, bleu, je lâche tout. Je remaintiens. 1, 2, 3, voilà. J'attends que ça s'allume. Et je peux lâcher. Et là, je suis revenu en D8, tout simplement. Si vous voulez faire une calibration des joysticks une fois que vous êtes allumé, c'est tout simple. Vous cliquez une fois sur Setup. Tac. Là, ça se met à clignoter et à biper. On va centrer les sticks. Ici. Une fois que vous êtes bien centré, vous recliquez sur Setup. Là, on a 3 bips. Donc, on peut commencer à calibrer. Donc, on va aller chercher dans les coins sans forcer, tout simplement. On peut faire un tour ou deux en allant dans toutes les directions. Et ensuite, on recentre les sticks. Maintenant, on valide. On rappuie sur Setup. Et là, on a un bip long.
nous avons recalibré notre manette. Eh bien écoutez, ça fait une petite manette à pas cher pour commencer. Je vous mettrai les liens Banggood et les liens Beta FPV. Je crois qu'elle est moins chère, je crois que les produits sont un peu moins chers chez Beta FPV, et ça paraît normal puisque ça vient de chez eux. Donc on va être entre 30 et 40 euros pour la radiocommande et le masque. Donc ça fait vraiment un petit investissement pour ceux qui veulent débuter, et vous allez pouvoir piloter n'importe quel appareil à partir du moment où vous êtes en EtherSky, D8, D16, etc. Les protocoles qu'elle prend en charge, vous allez pouvoir piloter un petit comme un gros, etc. Par contre, on va pas pouvoir en programmer plusieurs en même temps, bien sûr. Il faudra se binder à chaque fois à l'appareil avec lequel on veut voler, tout simplement. Mais pour celui qui veut débuter, c'est une très bonne radiocommande, et j'ai envie de dire même par la suite, si jamais on veut passer à plus gros en radiocommande ou à plus perfectionné, on peut conserver celle-ci pour aller faire du simulateur, tout simplement. On a la petite radio, on branche, pouf, ça marche, et go, c'est parti. Et en plus, comme on est branché, il n'y a pas de temps d'autonomie de batterie, ça fonctionnera automatiquement. Et on va parler du masque, donc voici ce petit VR02. Alors là, pareil, on ne peut pas faire plus simple. Ce petit masque VR02 est la simplicité incarnée. Donc vous avez une petite sangle ici, 3 points qu'on trouve régulièrement sur ce genre de masque, réglable bien sûr par des scratchs. On va avoir un bouton on-off ici, on va avoir une prise USB-C pour pouvoir recharger l'appareil, et on a 3 boutons. C'est tout, voilà, vous pouvez chercher partout ailleurs, vous n'avez rien d'autre. L'antenne, elle est ici, vous avez une antenne carrée, tout simplement. Donc autant vous dire que pour la réception, vous allez voir que ça fonctionne dans la maison. Même si je vais voler derrière moi, à faible distance, vous allez pouvoir tourner autour de vous ou aller visiter votre maison sans problème. Sinon, si vous allez voler dehors et que vous voulez vous éloigner un petit peu, je vous conseille de rester dans un V qui part du masque, tout simplement, et de rester dans ce V en face de vous. Après, vous pouvez venir voler autour de vous, pas trop loin par derrière, il n'y a aucun souci, mais évitez d'aller trop loin sur la droite, trop loin sur la gauche, trop loin derrière. L'antenne est vraiment en façade ici, donc c'est un patch. Donc restez dans la direction de votre masque, tout simplement. Ou alors, si vous tournez, bah, pensez à tourner la tête pour bien capter votre appareil, tout simplement. Mais là, vous risquez de cabaner. Donc on a une bonne petite mousse de protection ici. N'essayez pas de... c'est très très doux. N'essayez pas de rentrer des lunettes à l'intérieur, ça ne rentre pas. Au niveau confort, on est plutôt à l'aise, c'est vrai. Si, bon écoutez, moi avec ma physionomie, ça fonctionne bien. J'ai plutôt un grand nez, donc je ne suis pas gêné au niveau du port du masque. Et il est très léger. Il pèse simplement 300 grammes. On a à l'intérieur une lipo 2000 mAh 3,7 V. Ça laissera environ 2 heures à 3 heures d'utilisation. Sinon, après, bien sûr, vous pouvez toujours emmener une batterie portable et brancher votre masque. Et ça l'alimentera. Vous pourrez continuer à voler. Le gros avantage de ce masque, c'est qu'il prend très peu de place. Voilà, il est très léger. Il prend pas de place. Il n'y a pas d'antenne qui dépasse. Vous voyez, il tient dans la main pratiquement. Donc, c'est son gros avantage. Tout petit, est vraiment hyper simple à utiliser. On va aller voir les menus ensemble. Je vous parle de l'écran quand même. Vous avez à l'intérieur un écran qui est à la surface ici au-dessus et qui va être reflété deux fois sur des miroirs déportés. Vous en avez un dans ce sens-là et un dans le fond ici, ce qui fait que la vision est assez claire. Et contrairement à d'autres masques où là on voit l'écran directement à travers une lentille de Fresnel, et ben écoutez, il y a moins besoin de réglage. Moi qui ai des problèmes de vision, ben c'est vrai que je vois mieux dans ce genre de masque que dans un masque avec une lentille de Fresnel et l'écran derrière, tout simplement. C'est beaucoup plus net. Un petit peu le principe du Hawkeye Little Pilot, même si avec celui-ci on pouvait garder ses lunettes. Par contre, si vous avez de gros problèmes de vue, il est clair que vous vous verrez pas super mieux avec celui-là, puisqu'il n'y a pas de réglage pour la vue, bien sûr, et encore une fois, vous pourrez pas mettre vos lunettes à l'intérieur. Au niveau du fonctionnement, donc on a un bouton de mise en route, tout simple ici. Tac. Pour la charge, vous branchez ici avec l'USB-C, vous allez avoir un témoin lumineux qui s'allume, et quand il s'éteint, la batterie est chargée, tout simplement, le même principe que pour la radiocommande. On a un bouton canaux, un bouton bande, et on a un bouton scan. On n'a pas de bouton de menu, on n'aura pas de réglage d'écran, de luminosité, etc. Vous allez voir, on a juste un bouton pour avoir accès au scan. Alors le scan est hyper rapide, environ 2 secondes et demie à 3 secondes pour scanner toute la bande. Et le principe est assez original. Donc pour ça, je vais vous le filmer avec mon téléphone et on va aller voir le menu. Donc j'ai allumé le petit 36S, bah là forcément on est calé dessus. Donc je vais appuyer une fois sur le bouton scan, comme si on cherchait la fréquence. Et maintenant je maintiens le bouton scan. Regardez.
Voyez, il m'a fallu à peu près 2 secondes et demie pour scanner toute la fréquence. Et là, on a plusieurs indications. Vous avez le vert, qui sont des fréquences libres. Là, il ne trouve rien. Sinon, en jaune, vous avez des fréquences où on peut trouver un petit peu quelque chose. Et en rouge, vous avez des fréquences sur lesquelles vous pouvez avoir accès à la vidéo. Ensuite, avec le premier bouton ici, vous allez changer les bandes. Regardez. Tac. Là, je passe sur le R. Là, je suis sur le L. Je vais remonter sur le A. Et avec le bouton de droite ici, je vais changer les canaux 7, 8, 1, 2. Et voyez, sur la A2, il trouve la fréquence. Mais moi, je sais que je suis sur R6 et c'est la station sur laquelle il s'est arrêté en priorité. Je vais relancer un scan. Donc je ressors, je relance un scan en maintenant sur le bouton S. Et voyez, si j'appuie une fois sur le bouton S, il m'a bien calé sur le R6, tout simplement. Donc on peut chercher en manuel, voyez, là je vais changer les bandes, tout simplement. Et avec l'autre bouton, on va chercher les canaux. Mais le mieux, c'est de lancer un scan. Vous maintenez votre bouton scan, il va scanner toute la fréquence, et là il se cale sur le R6. Donc là, le blanc, ça veut dire que vous êtes sur cette fréquence-là, et c'est la plus grosse des fréquences, c'est la plus précise. Donc je rappuie une fois sur le bouton scan. Alors comme vous voyez, on n'a pas d'OSD dans ce drone, et pas d'OSD dans le masque, qui dit la puissance de la batterie, etc. Mais si vous appuyez une fois sur le bouton scan, ici, eh bien vous avez tout en bas 3,77 V, et vous avez en haut R6, bien sûr, et 99, c'est la puissance, donc le RSSI, entre guillemets, du canal vidéo. Donc voilà, vous l'aurez compris, vraiment ultra simple à utiliser. J'espère que vous aurez bien vu avec la caméra du téléphone, mais vraiment super simple à utiliser. Voilà, il y a un bouton de mise en route et 3 boutons en tout et pour tout. Pas d'antenne qui dépasse et une petite matière un peu soft. Vous savez, la matière que j'aime bien, encore une fois, avec du grip sur les côtés ici. Le masque simplifié par excellence. Pas de DVR pour enregistrer, pas de réglage de menu, PAL, CCAM, tout ça, NTSC, etc. Donc vraiment pas compliqué, très très simple à mettre entre les mains d'un enfant de 12-14 ans qui va commencer tout simplement, ou pour prêter à un ami qui veut voir un de vos vols. Je sais pas, mais en attendant, voilà, pour débuter, c'est vrai que ben là on va pouvoir avoir un pack très peu cher et fonctionnel. Voilà, c'est pas du haute performance, vous avez pas 15 millions de réglages, mais quelquefois c'est pas plus mal de pas avoir trop de réglages parce que sinon ça complique la vie un petit peu. Donc merci Beta FPV pour ces petits produits à pas cher. Vous pensez également aux débutants, ça fait plaisir. Donc bah moi aussi je pense à vous et donc je vous les offre. Pour gagner ces 2 petits appareils, voire 3 petits appareils, ce petit pack complet, je vous donne rendez-vous dans les commentaires de la vidéo, et puis vous allez simplement me mettre, pas besoin de liker, s'abonner, etc. Vous le savez, mais vous allez simplement me mettre un petit message et du style, je suis débutant, ça me plaît, je veux l'offrir, ce que vous voulez, salut Tazou, ouah ta vidéo elle est trop géniale, un message dans les commentaires et je ferai un tirage au sort. Alors si vous n'êtes pas intéressé parce que vous êtes professionnel, vous avez trop de matos, etc., vous avez personne à qui l'offrir, si vous n'êtes pas intéressé, mettez-le moi dans le message. Voilà, vous pouvez me mettre un petit commentaire ou ne pas mettre de commentaire, mais mettez-moi dans le commentaire, je ne suis pas intéressé, tu peux tirer quelqu'un d'autre au sort par exemple, et si je tombe dessus dans le tirage au sort, je retirerai une autre personne bien sûr qui, elle, devrait être intéressée. Donc voilà, je compte sur vous. Je vous parle vite fait du petit T36S, donc tout simple, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas d'OSD. Pour avoir accès à la prise USB, au micro USB, c'est par le dessus, donc il faudra défaire les 2 petites vis qui sont là, et vous avez le micro USB qui est dessus. Si vous avez besoin de changer vos réglages, il faudra CleanFlight. Donc là, vous pouvez aller sur CleanFlight directement dans les applications Google. Mais là, vous n'aurez rien besoin de changer. Vous avez une petite caméra 800 TVL dessus avec le VTX qui est au dos de la caméra. Et pareil, si vous voulez changer le canal, pas trop intéressant non plus. Là, vous êtes sur R6, ça va fonctionner. Pareil, il faudra défaire ces 2 petites vis. Et à l'intérieur, vous verrez le VTX et il y a un petit bouton en dessous. Et il faudra soit appuyer 2 secondes pour changer la bande, soit appuyer des petits coups à répétition pour changer les canaux, et il y a des indications lumineuses, mais vous n'aurez pas besoin de le faire, restez en R6, ça fonctionne très bien, tout sera prêt quand vous recevrez votre petit pack bien sûr. On a une petite antenne ici pour la réception vidéo, une petite antenne derrière
là pour la réception avec la radiocommande, et 4 petits moteurs brushed ici avec des petites quadripales. Les moteurs brushed sont branchés avec des petites prises, donc ça peut se changer si jamais ça tombe en panne, tout simplement, parce qu'on sait que les moteurs brushed tombent en panne. Évitez de faire forcer les hélices si vous vous coincez quelque part ou vous bloquez votre drone. Coupez les gaz tout simplement et allez le chercher. N'essayez pas de forcer pour vous remettre en route, parce que les moteurs brushed, c'est la meilleure façon de les griller tout simplement. Donc voilà, je vous offre ce petit engin. Je vous montre vite fait pour celui qui va le gagner comment je l'ai paramétré. Vous allez avoir ici l'armement. Donc mettez bien votre throttle à zéro, bien sûr. Vous avez l'armement ici. Donc une fois que vous avez armé, vous pouvez décoller, ça va fonctionner. Vous avez sur ce switch là, sur le switch B, tout au fond là, le mode angle, le mode stabilisé. Si vous tirez une fois vers l'avant, vous avez le mode horizon. Et si vous tirez une troisième fois comme ça, vous aurez le mode accro. Tout simplement, du vrai accro, voilà. Donc beaucoup plus difficile et surtout pas en vol à vue. Vraiment pour l'immersion. Je remets en mode stabilisé. Et c'est tout. Celui-ci est réglé pour le buzzer, mais là il n'y a pas de buzzer. Et celui-ci ne servira à rien sur ce drone. Vous pourrez l'utiliser pour un autre appareil tout simplement. Donc... je le mets en route, on va se faire un petit vol ensemble. Moi, je vais voler avec mes lunettes et je vais filmer ce qu'on voit dans le masque. Comme ça, vous verrez le rendu de la vidéo du masque et la réception également, voir s'il y a du glitch ou pas. Donc, je mets la batterie en place ici. Je vous ai dit 3,7 V, 250 mAh. J'allume la radio. Il faut bien maintenir jusqu'à la mélodie. Voilà. Donc là, elle est en route. Et maintenant... je connecte mon petit T36S. Voilà. On va pouvoir vérifier qu'on ait la connexion. Ça fonctionne. Alors, je lance un scan. Automatiquement, 3 secondes, bam, et on est dessus. C'est parti. Allez, c'est parti pour un petit vol. Donc je pars en stabilisé, bien sûr. Let's go. Bon vol. Donc bien sûr, c'est pas une caméra de malade, mais franchement, ça fait l'affaire. Ah oui, ça c'est mes anciennes étagères. Donc vous voyez que c'est assez maniable quand même, on peut le piloter sans problème. Hop. Voilà, on va aller se faire un petit tour. Donc là, j'enregistre le masque. On verra, je découvrirai en même temps avec vous. Mais normalement, il ne devrait pas y avoir trop de parasites dans la maison. Vous voyez, ça se pilote plutôt pas mal. Hein. Alors bien sûr, pas d'OSD, donc dès que le drone va se coucher, va vouloir descendre, ça voudra dire que la batterie est suffisamment usée. Donc il faudra s'arrêter tout simplement, ne pas insister. Hop, on va pouvoir passer en mode accro, vous allez voir que ça fonctionne. Hop, je suis en mode accro. La preuve, je me suis fait surprendre par la manette, voilà, on va y aller tranquillement. Donc là, je suis en mode accro. Je repasse en mode stabilisé. Voilà. Et ça vole. Même le temps de vol, je le connais pas vraiment. Donc pareil, je le verrai sur le DVR. On va aller jusqu'au bout, au moment où la batterie va vouloir s'arrêter. Donc vous voyez, hein, pour faire du FPV, hein, une étagère. Et on vole. Plutôt précis, hein, comme petit joujou. Franchement, voilà, c'est pas du aléatoire. C'est vraiment pilotable, même si c'est pas un truc de ouf. Et la caméra, voilà, bah écoutez, moi je vois bien dans les lunettes. J'imagine que dans le masque, on verra bien aussi. Même si c'est pas d'une grosse résolution. Écoutez, ça vole hein, pour l'instant. C'est un drone qui est très léger, donc c'est vrai que même une petite lipo 250 mAh, il y en a pour un petit moment quand même. On n'est pas à une minute de vol. Alors, est-ce que tu es assez précis? Attention aux tumouches là, parce que là, celui-là, il resterait collé dedans. Hop. Bah écoutez, c'est plutôt pas mal, hein.
pour débuter. Voilà, vous aurez des petites lipos. Je mettrai dans la description si je trouve d'autres lipos pour le gagnant qui voudra commander d'autres petites batteries pour ce petit engin. Allez, en glissade. Waouh ! Là, j'ai toujours un peu de pêche. Je peux toujours reprendre de l'altitude. Mais je sens que j'ai un petit peu moins de patates. Ça y est, hop ! Là, je veux reprendre de l'altitude et ça ne veut pas. Donc, j'arrête. Voilà, je n'insiste pas. Je coupe les moteurs et j'arrête. Je vais tester la batterie. Tac ! Donc, on va tester la lipo. Elle est un petit peu tiède. On a dû lui tirer un peu dessus quand même, je pense. Et on est à 3,10 V, 3,11 V. Donc voilà, faut pas insister. Quand vous sentez que ça faiblit, n'insistez pas, n'allez pas jusqu'au bout. Arrêtez-vous. Mais bon, 3,10 V, ça va, elle est pas morte. Donc vous attendez qu'elle refroidisse, tais-toi. Et vous la remettez en charge, bien sûr, un petit peu avant de la stocker ou de refaire un petit vol, tout bêtement. Donc voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Merci à Beta FPV pour ces deux petits produits. Entrée de gamme, encore une fois, pour les débutants. Et puis, bah, je compte sur vous pour le concours permanent. N'hésitez pas, il y a encore des jolis petits cadeaux à gagner. Et puis, tirage au sort samedi prochain, bien sûr. Pendant qu'on parle de Beta FPV, je vous recommande un groupe sur Facebook, le groupe de Jérémy qui a ouvert le groupe BetaFanFR. Je vous conseille d'y aller si vous êtes fan de Beta ou vous voulez des renseignements ou discuter des produits Beta FPV. Très bon petit groupe, sympathique, plein de bonne humeur et d'entraide comme le groupe Les Tazou. La même chose, même famille. Donc voilà, un problème, une question, BetaFanFR sur Facebook tout simplement. Et vous passerez le bonjour à Jérém de ma part. Donc c'est tout pour aujourd'hui, bonne chance à tous pour essayer de gagner ce petit pack. Et puis moi là-dessus, il ne me reste plus qu'à vous dire surtout, portez-vous bien, prenez soin de vous et des autres bien sûr. Et à très bientôt dans mes vidéos. Ciao ciao.